son dont vous pouvez parler, hein, c'est un problème. Mais au moins. Tu n'aimes pas, Paul ? Alors évidemment, ça serait plus difficile si je voulais un fond bleu. Donc, et puis j'ai pas un assez gros pinceau. Tienne brûlée. Plus là sur le visage. Pure, ouais, t'as raison, pure. Je trouve ça beau. C'est ma première démo masquée. Première démo masquée. Ouais, mais profite de la démo, hein, vous avez dit aussi, hein, parce que oui, oui. Quand on filme, en général, le problème c'est ça, c'est qu'on regarde, on ne peut pas regarder vraiment quoi. Bon, là tout ça c'est noir, donc on va remouiller pour préserver l'humidité, vous voyez. C'est une belle couleur. En même temps, c'est un peu monochrome. Je vais laisser un petit peu de blanc sur l'oreille. C'est quoi l'autre couleur, ce que-là ? Laquelle ? La plus foncée. Au ciel brûlé. Sûrement. Donc là, je modifie, voilà, parce que il faut faire attention que ça ne sèche pas trop tout partout. Et hop, on rebalance l'eau qui stagnait en bas, puisque j'incline mon. Donc pour l'instant, franchement, heureusement qu'il y a un dessin, parce que sinon, je ne verrais pas du tout ce que je fais. Je vais foncer là à mon montage avec sienne brûlée, peut-être une petite pointe de ce vert, par là. Comment j'avais fait avant ? C'est clair, hein ? C'est très clair. Plus de sienne brûlée ici. Je m'occupe du fond, je ne m'occupe pas du tout du visage pour l'instant. Je pense que je vais verdir le fond pour l'éloigner. Hein, je vous ai toujours dit que le froid éloigne et le vert, bah, c'est. Bon, on va voir ce que ça donne, ce vert. De toute façon, pour faire ressortir des belles couleurs, il faut aussi des couleurs un peu sales. Bien, j'ai mélangé du bleu à d'entraîne. Avec la quina et la terre de sienne brûlée. Et la terre de sienne. Il y a de l'eau, hein. Oui. Peut-être un petit peu plus de une pointe de phtalo là-dedans, à rester, parce que ici, c'est, on est plus loin. Hein. Non, non, pas du tout. Là, s'il y a un truc qui granule, non, il n'y a rien. Peut-être la sienne brûlée, mais non, mais c'est mon papier. On a l'impression que ça granule. Quand ça sera sec, ça ne granulera plus. Donc maintenant, il faut que je m'occupe. J'aime assez ça. J'aime pas trop ça. Mais je ne sais pas quoi faire. Je vais remettre de la sienne brûlée. C'est mon joker. De toute façon, je ne sais pas quoi faire. Je mets de la sienne brûlée. Peut-être un petit ciel brûlé qui va effectivement réchauffer et un petit peu de violet. Mais voilà. Voilà, j'ai du coup ça va super bien. Avec le violet, oui. Sienne brûlée et violet. Oui. Ouais. Effectivement, sienne brûlée, moi j'avais un tube de sienne brûlée qui n'était pas beau du tout. J'en ai racheté un, alors là, c'est logique. C'est le bon différent. Winter. C'est plus la même couleur. La sienne brûlée, c'était un des tubes qu'on m'avait offert et ça n'a rien à voir avec des tubes de qualité. Quoi. Ouais. Winter. Ouais, Winter. C'est la seule. À propos de marque, j'ai trouvé une nouvelle qui est franchement
Très bien. Non, très mauvaise. C'est qui? Chez La Feuillou, c'est Schmincke. Oh, Schmincke, c'est pourtant une des plus chères, non? Ah ouais, mais alors... Elle est très, très pigmentée. À La Feuillou, ils font cette planquée-là maintenant. La serre brûlée, elle est rouge. Ah oui, mais ça, c'est parce que tu es habitué à... À une sœur. À une sœur, hein. Le feuillot, c'est celui de Rueil. Ouais. Ouais. Bon, on en a pris un film qui est long. Pas mal, ça commence à sécher, ça. Non, bon, là, j'y reviendrai plus. Là-haut, non plus. Les cheveux, si les cheveux. Je peux attaquer les cheveux. Donc, on va dire que j'ai une couleur par défaut. Donc, je mélange toutes mes couleurs à cette couleur, c'est la sienne brûlée. Ça m'aide à faire le raccord entre tout. Voilà. Je vais commencer. Et tu as déjà vu le noir de bougie là? Non. Le noir de bougie, ça sera la dernière minute. Parce qu'il est terrible. Mmh. Non, c'est vrai. Il faut se méfier des couleurs. On mérite. Que tu disais que le noir de bougie, il est diffuse, non? Non, justement, pas beaucoup. Un tout petit peu, mais c'est surtout qu'il est... Non. Il est très fort. Alors là, c'est trop marron. J'aime pas. Je voudrais donc du violet. Peut-être de l'un dans traîne. Plus de l'un dans traîne. Voilà. Je veux des cheveux un petit peu bleutés. Ça serait plus joli. Je vais faire un petit rinçage. Voilà. Et toujours bien, bien faire bouger. Hein, parce que cette partie-là, je ne vais plus trop y aller. Mais ici, il faut que je travaille encore. Hein. Donc même faire venir la sienne brûlée dans les cheveux. Voilà. Ça essuie. Et c'est ça qui est joli. On a l'impression que c'est un grand fouillis, mais ouais. En fait, c'est ton idée. Mmh. Bah, j'ai mon dessin, surtout. Ben voilà. J'ai mon dessin. Toujours une phrase, on ne sait pas où t'en es. Oui, mais ça, c'est vrai. Hein. C'est pas... Le dessin, c'est pas facile à suivre. Hein, parce oui, parce que ça se cache. Hein. Ouais. Oui. Quand même. Moi, c'est pas mal à la fin qu'on ne le voit pratiquement plus, hein, le dessin. Ouais. C'est si loin que ça, la chevelure. Oui. Ouais, je neutralise. Il y a ce blanc, il n'y a rien ce blanc. Par contre, c'est bien que j'entoure l'oreille. Juste un petit peu d'eau en fait pour. Ah oui, si, le bras il est essayé de brûler. Le bras. Il y a des bulles. Et le cou. Et le cou. Bon, c'est passé un peu trop loin. Ah oui. Une auréole en devenir. Ah, bon. Oui, bah oui. Quel endroit? Voilà. Beaucoup d'eau, cuvette, oui. Sec. D'accord. Donc là, auréole. Là, il faut faire passer ça. Il faut que ça... Et si tu pchites, c'est bon ou c'est... Ben, si tu pchites, tu rééclaircis tout. Donc, oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, est-ce que tu le trempes ton papier ou tu le grattes? Ah bah oui.
C'est bon ? Ah oui, ça y est. C'est pas mal. Alors, par contre, c'est devenu très foncé, là. C'est devenu très foncé. On met un petit peu d'eau. Du coup, ça va se rééclaircir. Bon, alors, ça, c'est assez riche. Violet. Violet, c'est un violet. Qu'est-ce que je peux encore toucher, là ? Tu n'aimes pas, là, Pierre ? Je ne l'aime pas, là. Non, du tout. Un petit peu. Alors, je vais commencer un peu le visage. Pour moi, c'était tout doucement. Le mouvement. Je pourrais même avoir, pour ne pas faire la même chose, une petite pointe de bleuté qui n'y a pas sur l'autre, mais bon, l'idée c'est pas de faire le même, parce que de toute façon, ça ne va pas. Il y a un bleu un peu joli. Bon, c'est aussi des yeux, ça ? Ouais. D'accord. Bon, son nez. Le dessous du nez, il est très foncé. Les lèvres. Le dessous de la lèvre. C'est minime, hein, ce que je fais là. Mais c'est avec des retraits qu'elle va apparaître après. Ça, c'est un peu... C'est beaucoup trop dur. Donc, avant que ça ne marche complètement... C'est pas assez. Ah, hop. J'adoucis. C'est trop proéminent. Donc, elle a vraiment. On a cette. Vraiment dans le midi. Ça. Ça, c'est très foncé. Ça. Ça, on peut le foncer. Le dessous du cou. C'est un peu fadasse, hein, ici. C'est très fadasse. Il y a un moment quand on regarde dans le bon sens. Hein. C'est pas d'actualité ce sketch. Hein. C'est pas un refus de la négritude, c'est accepter la négritude qui est en apportage. Le stage le stage. Non. Le sketch de Muriel Robin. Ah, le sketch de Muriel Robin. Oui, on parlait de ça. Ah, pardon, je pensais à. Ah, autant de porte le vent ? Non, justement, toutes les manifs qu'il y a en ce moment sur les... C'est un peu une chasse aux sorcières, aussi. Ouais. C'est un peu tard. C'est une vraie chose. Bon. Oui, mais justement, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont utilisés aussi. Oui. Pas une bonne chance. Moi, ce qui m'avait surpris aussi, c'était une certaine forme de racisme anti-blanc dans les... En Guadeloupe, par exemple, c'est impressionnant. Hein. À La Réunion, il y avait que trois. Non, mais on y est passé une semaine, mais rien que dans cette semaine, c'était fou. Ça, je trouve ça assez beau. Alors, violet, c'est brûlant. Je pourrais accentuer. Il y a quelques demandes. Il paraît qu'il y avait des armateurs entassés, des noirs, des caves, tout le monde. Donc ça va gagner là-bas aussi. Ils ont renversé les statues. Non, mais c'est vachement leur contexte. C'était ça. Donc, il y a Bordeaux. Non, c'est bon. Voilà, c'est pas bien. Bordeaux, c'est bon. Mais la Cali.
demandé de faire un mot. Hein? Ça sort. Ah oui. Avec le L, tout d'un coup, ça sort. Ouais. Alors, justement, c'est une commande. après, je ne sais pas si elle la prendra parce que elle voulait celle, elle voulait l'autre, mais moi, je ne l'ai plus depuis longtemps. C'est difficile de faire. Et puis voilà, moi, je peux t'en refaire. Je dis, écoute, je le referai. Si ça te plaît, tu prends. Si ça ne te plaît pas, tant pis. Et de refaire un tableau, c'est ah, ça, j'adore. Difficile. Ah, c'est bien. Ah oui, ça, j'adore. Je trouve qu'on. Il y a des tableaux fétiches comme ça, j'en ai 3-4 là, que je refais à 2 ans, 3 ans, 5 ans d'intervalle. Et ils sont jamais pareils. Et j'aime bien voir l'évolution. Oui, ne pas les voir pareils, mais est-ce que c'est pas. C'est plus dur ou au contraire, tu es détendu parce que c'est super fait. C'est très différent. C'est très différent. Alors là, elle a la joue beaucoup trop marquée. Elle n'a pas cette douceur. Vraiment. En fait, il faut savoir dans le portrait que chez elle, c'est vraiment cette élégance qu'elle a, cette femme, c'est incroyable. Elle est d'une. Là, mets-toi à ma place. Je vais me remettre à ma place, mais c'est incroyable. Ah non, mais tu verras pas, moi je ne vois plus le dessin. Ben oui, on est trouvé là. En fait, là, je travaille plus. Je travaille où c'est encore un peu humide. Je ne sais plus trop où. Qui veut bien me remplacer pour porter. Je vais le retrouver le dessin en faisant des enlevés, parce que là, je ne vois plus rien. Qui veut bien porter la caméra. Tu fatigues. Bon. Non, mais sinon. Un peu la crampe et puis. Non. Ah merde, pardon. Merci. Comment c'était avant? Ah oui, ça part de beaucoup plus haut. Ah oui, c'est ça qui est joli. Ça part de beaucoup plus haut. Et en fait. Ça, c'est plus foncé. On est un petit peu loin pour la prise de vue, là, il me semble. On peut l'agrandir la non. Non. Enfin, moi, peut-être au montage. Ah, d'accord. Ouais. Bon, là, on ne voit plus rien. Ce n'est pas gagné que ça lui plaise. C'est vrai que si tu dois prendre le côté droit, par ici, le pinceau. Oui. On se peut peut-être par ici. Bon, allez, tu fais des autres. Parce que par ici, effectivement, c'est une autre vue. Oui, mais. C'est pas son habitude. Si elle se met de. Un peu. Oui, ça peut. And I knew when you told me
your name, girl. Was going to ride it on the wall and shout it down till Montreal. Yeah, I knew when you told me your name, baby, things we will never be the same. 'Cause you'll never leave me dry. You, baby, shine new light on my life. Child.
skies, riding on back biting, I'm get away with lies. No matter what it takes, who is gonna cry? The only thing that matters is you get what you desire. But I know for sure the day will come when you first realize what you have done, and you finally get your debt repaid and avenged yourself on a cold play. You hear the roll of the shutdown when the world will stop without a sound, and a moment you will cry for help that we only think about ourselves. Oh yeah. So sweet, I stood around for the hills, beating a retreat. And when I heard you talking with that alluring sound, should I recall the sirens and how that things went down? Living on the trenches, looking for a way to escape. You always cut me down like a dreamer's with the grapes. Never mind how I tried to leave you behind. I kept falling in your net. Oh, I've been so blind. But I know for sure the day will come when you first realize what have you done, and you finally get your debt repaid and revenge is served on a cold blade. And you hear the roar of the shutdown when the world will stop without a sound. And the moment you will cry for help, may we only think about ourselves. Oh yeah. But I know for sure the day will come when you first realize what you have done, and you finally get your debt repaid and revenge is served on a cold plate. Oh yeah, on a cold plate.